Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le cours d'histoire moderne sur le commerce d'épices en Asie de l'Est. À en voir vos regards incrédules, vous n'avez pas été mis au courant du changement de salle. Donc non, ce n'est pas votre cours sûr. Et ils sont déjà partis. Bon, il me reste une dizaine d'élèves. Le doyen va être content. On a plus que doublé le nombre d'élèves pour ce cours. Bon, maintenant que les rabat-joie sont partis, rentrons dans le vif du sujet. Dans ce cours, nous allons suivre l'évolution du royaume de Tengu de 1445 à 1720. Alors, ça sera sur 2 semestres, ne vous en faites pas. Arrêtez de me regarder avec ces yeux-là. Je sais que personne ne connaît le royaume de Tengu. Ne vous imaginez pas un grand royaume prospère. À ce moment-là, le royaume de Tengu est plus proche de la taille du Luxembourg que de la Chine. Donc, le royaume de Tengu, à cette période, c'est un royaume banal. Dites-vous qu'il en existe à peu près une dizaine d'une puissance équivalente dans la région, et quasiment tous sont tributaires du royaume d'Ava, qui est la grande puissance régionale. En gros, Ava leur donne une sécurité contre des biens, des services tous les ans. Il en va de même pour le système politique. Tous les royaumes de la région sont des royaumes bouddhistes, qui sont basés sur le principe du mandala. En gros, plus tu es proche de la capitale, plus le gouvernement a du pouvoir et d'autorité, et plus on s'en éloigne, plus les monastères et les nobles ont l'autorité. À cette période, Tengu, qui veut se développer, doit faire face à 3 grands problèmes. Le premier est Pegu, qui est d'une puissance égale à celle de Ava. Les royaumes de Prome et de Tengu servent de tampon entre Ava et Pegu. Et ainsi, Tengu se retrouve bloqué au nord par Ava, au sud par Pegu. Le second problème est Arakan. Arakan est une autre puissance qui a accès à la mer, comme Pegu, mais elle se trouve à l'ouest. C'est une puissance importante comparée à Tengu, mais plus faible que Ava et Pegu. Donc, ça serait la solution optimale pour que Tengu ait accès à la mer. Et ainsi devenir un acteur, pas principal, mais du moins important dans le commerce des épices. Mais le problème est que pour atteindre les territoires d'Arakan, il faut d'abord que Tengu se débarrasse de son voisin, Prome. Le dernier problème qu'a Tengu, c'est qu'il doit faire attention à son voisin de l'Est, Mongpai. Mongpai n'est pas en soi très dangereux comparé à Pegu ou Arakan, mais c'est un danger constant car il est aussi tributaire d'Ava et il reste tout de même plus gros que Tengu. En plus, la pire situation pour Tengu serait qu'il s'allie à Prome, ce qui est assez compliqué. Bon, maintenant que la situation initiale est expliquée, il va falloir passer à la suite, c'est-à-dire l'élément déclencheur. Oui, je sais que ça fait très court de français, mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Le grand changement de cette période est, on va dire, enclenché avec l'arrivée de marchands moluques à la capitale. Et ces derniers proposent un accord commercial que le roi ne peut pas refuser. Pour être plus précis, ce marchand est un dirigeant de l'île de Ternate. Les Moluques, c'est une petit archipel au sud des Philippines. Et Ternate, disons que ces derniers doivent gérer quasiment la moitié de la production de clous de girofle. Donc, quand le chef dirigeant de Ternate, Marumgapi, propose un monopole du marché du clou de girofle en échange des armements nécessaires pour conquérir le reste des îles, et ce, avec un mariage entre la famille royale et celle du chef dirigeant, le roi est plus ou moins obligé d'accepter.
En effet, le clou de girofle, à l'époque, et d'ailleurs toujours maintenant, ça vaut plus cher que l'or. Vous pouvez pas en avoir autant, mais ça coûte plus cher. Et ils demandent pas spécialement des métaux de qualité pour leurs armes. C'est juste que c'est super rare sur leur île. Donc en fait, s'ils arrivent à atteindre le monopole, ça signifie la richesse pour Tengu. Et à côté, le roi ne compte pas que sur ça. En effet, une alliance matrimoniale est effectuée avec le royaume de Lanna, qui équivaut en puissance à Ava, mais qui se trouve de l'autre côté des monts Donna, qui se trouve à l'est du royaume de Tengu. D'ailleurs, je tiens à le dire tout de suite, oui, ma prononciation ne sera pas exacte. Dawna, pour moi, ça se prononce Dauna, mais je suis pas sûr. On peut aussi noter l'alliance avec deux autres royaumes tributaires. Mongmao, à la frontière de l'empire chinois des Ming, et qui n'est pas tributaire d'Ava, qui est tributaire des Ming. Et Mannai, qui est à mi-chemin entre Mongmao et Tengu. Voilà. Le décor est posé. Les cartes sont distribuées. Regardons comment ça évolue. Et vous vous souvenez quand j'ai dit que ce n'était pas un grand royaume stable et prospère? La preuve, dès 1445, en décembre, des paysans s'opposent au roi. À l'époque, c'est Taraibea Tengu. La répression sera violente. Mais pas plus que ça pour l'époque. Disons que les armées royales s'entraînent sur leur population. Dès 1446, Ternate réussit à gouverner l'archipel des Moluques. Le roi demande une véritable alliance qui sera en faveur des deux parties, car pour l'instant, les Moluques n'ont pas de vrai pied à terre en Indochine, et désormais qu'ils ont le monopole sur les clous de girofle, il faut qu'ils en aient un. Et le plus simple serait de permettre à Tengu d'avoir accès à la mer. De plus, cela permettrait de pérenniser l'accord commercial qu'ils viennent de faire. Et d'ailleurs, je vous demande de vous souvenir des Moluques pour l'avenir. Car ça va être sûrement la population qui va avoir la plus grande influence sur la politique du royaume. Dès 1448, avec l'aide de tous ses nouveaux alliés, Tengu lance son projet d'atteindre la mer par Arakan. C'est ainsi qu'il déclare la guerre au royaume de Prome, ainsi que son allié Spao. C'est un autre royaume tributaire frontalier de Montney. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Disons que Lanna choisit le camp de Prome plutôt que de Tengu. Je vous laisse imaginer la réaction quand le roi a appris que sa pièce maîtresse était dans l'autre camp. Dites-vous que les hostilités commencent très rapidement. Dès novembre, la bataille de Prome fait s'opposer les armées du royaume de Prome face à l'armée royale de Tengu. Ça fait à peu près 4000 hommes pour Prome et 7000 hommes dirigés par le prince héritier Minkon Tengu. Si cette première bataille permet une victoire rapide pour Tengu, elle est vite suivie de la seconde bataille de Prome, qui oppose les 7000 hommes bien fatigués et bien blessés de Tengu contre 9000 hommes de Lanna, qui ont bien prévu de mettre fin au siège de Prome. En réalité, l'armée de Tengu ne résiste que grâce à l'arrivée de 5000 hommes de leurs alliés arrivés de l'Est. Ainsi, en janvier 1449, nous avons on va dire, 2-0 pour Tengu. Mais une autre tentative vient tenter de mettre fin au siège de Prome. Cette fois, elle est moins prise au sérieux. Disons que 5000 hommes de Ispao qui sont arrivés en retard font désormais face à 7500 hommes de l'Alliance. Bien sûr, ils se font complètement exploser. C'est en avril de la même année que les Moluques arrivent enfin sur le continent et traversent les terres de Pegu pour soutenir le siège. La nouvelle de leur arrivée fait que le siège s'intensifie d'ailleurs. Et à peine ont-ils atteint Prome,
que la ville est prise. Les Moluques en profitent pour piller avec les autres la ville. En septembre, la majorité des armées alliées partent vers l'est. Cependant, il y a une grosse défaite à Yamessin, la région au nord de Tengu, détenue par Ava, où 8000 hommes de l'Alliance et 4000 Moluques font face à 9000 hommes de Nordma. Le prince Min Kong meurt durant la bataille et l'ensemble des troupes se replient à Mong Mao. Si je précise les Moluques à part, c'est que ces derniers n'ont pas du tout la même stratégie au combat et n'hésitent pas à fuir. Il est d'ailleurs dit à l'époque, je cite, « Les Moluques étaient les premiers à prendre leurs jambes à leur cou, mais aussi les premiers à se retourner afin d'éviter l'extermination de leurs alliés. » C'est alors que rien ne semble aller qu'un événement providentiel arrive. Ayutthaya, une grande puissance d'Indochine, déclare la guerre à Landma et balaye les troupes de ces derniers qui assiégeaient Tengu. Les Moluques profitent de cette opportunité pour occuper les terres de Landma, à l'exception de la capitale, trop fortifiée pour eux. Alors, je sais qu'on ne doit pas spécialement parler religion, mais disons qu'à ce moment-là, le roi croise le chemin d'un éléphant blanc. Comment vous dire que tout le monde prétend que c'est la réincarnation du prince Min Kong qui vient de mourir et qu'il poussera absolument le royaume de Tengu à la victoire. Alors que les troupes de l'Alliance mettent les sièges sur les capitales ennemies, les Moluques, eux, en profitent pour tenter d'aller mettre fin au siège autour de Tengu. Car il n'y avait pas que Landma qui préparait un siège. C'est ainsi qu'en 1450, c'est 3500 Moluques qui font face à 4000 hommes. C'est une défaite qui paraît totale du point de vue de la capitale. Comment vous dire qu'ils pensent être sauvés et qu'ils voient leur renfort fuir. Les Moluques partent en déroute et fuient à une vitesse ahurissante. Enfin ça, c'est la première impression des habitants. Car très vite, ils se rendent compte que le nombre de Moluques morts durant la bataille est dérisoire comparé au nombre d'ennemis tués. Et le siège perd totalement de son efficacité, des vrives pouvant être envoyées à la capitale facilement. Cependant, des renforts font qu'en septembre, la capitale de Tengu est effectivement occupée malgré tout. Cependant, en décembre, la prise de Sipo fait qu'un butin conséquent arrive dans le trésor royal et permet à la guerre de continuer. D'ailleurs, ce dernier se retire de la guerre contre un tribut de 10 ans. Souvenez-vous de cette technique. Elle sera utilisée de nombreuses fois par Tarabaya, Tengu et ses successeurs. De même, la prise de Landma en mai 1451 avec l'aide des Moluques, et n'oubliez pas les guillemets sur aide, car étonnamment, des personnes qui vivent principalement en mer, dans des endroits où une tempête vous tombe sur le coin du nez tous les ans, ne sont pas spécialisés dans la prise de forteresses de pierre en pleine montagne. D'ailleurs, le Bouddha de Jade de Chiang Mai sera pris et amené avec tout le butin obtenu à la capitale de Tengu, qui est reprise le mois suivant. La guerre prend fin en août. Prome est officiellement conquise. Et souvenez-vous que cette conquête pousse la couronne de Tengu à avoir l'ambition de conquérir le reste des territoires sur lesquels Ava a autorité. La couronne affirme cette ambition durant un banquet en l'honneur de la victoire l'année même. Comment vous dire que personne ne l'a pris au sérieux? Certes, pour l'instant, le rôle de ce petit royaume dans le commerce des épices n'est pas complètement visible. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et à la semaine prochaine.